Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 36 de Mass Effect 2. Il est 12h09. T'es un direct quoi. Ça devrait faire la paix. Facile. Facile. Le problème c'est que là il y a le conteneur qui est à côté de nous. Leur avance, avance. Avance, bordel de merde. Bon bah... Tenez la ligne. Ah Miranda, elle est où? Allez, bouge. Il passe devant moi quoi les mecs, vous êtes sérieux. Des munitions, c'est bien. Tu vas où toi, Mordi? Y'a rien là. Si, y'a une balle. 10, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça de près. Ouais, je suis plus à l'aise avec le flingue, il est plus précis. J'ai besoin de moins tirer. Un peu de sous, ça fait du bien. Ah non, je suis avancé. Le Krogan rapide. Voilà. Entends-moi ta grande gueule. Cible neutralisée. Alors juste aller voir l'autre côté par contre. Porte déverrouillée. Ah, pour faire demi-tour, faut déverrouiller. Circuit imprimé, critique. Un peu de crédit. Donc du coup, c'est quoi cette... Ah, elle est en bas la porte. Et là, c'est... Bon, bah, examinons. Pour faire demi-tour, on peut plus rentrer. Impossible d'ouvrir la porte en présence d'ennemis. Ok. Allez. Oh là 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 là. C'est chiant de pas pouvoir courir. Ah, les munitions. Bah, dis-moi qu'il n'y a rien. Ouais, pas qu'il n'y a rien. Eh oh, voilà. Que c'était une caisse close, quoi. Ok, c'est cool. J'aime. Attention. Oh, ouais, ils étaient deux. Fait juste arroser. Écoute mon grand, regarde, regarde. Moi aussi je peux charger. Ah, ah, il t'emmerde. Ah, on entend moins ta grande gueule. Hein. C'est vrai que je cherche pas souvent. Oh, cache-toi, bordel. Ah, le chef est là, c'est le chef. Oh, lui, ça va être facile du coup. Oh, le chef, juste bousillé 12 chargeurs, mais tout va bien. Non, on va voir après. On va essayer de ramasser un peu les déboires ici. Ah, 18. Merde, j'en aurais pas 18 puisque. Ça fait le bêtise, j'en ai que 12, c'est pas grave. On va aller voir ce qu'il y a ici. J'espère rien. Ah merde, c'est la descente. C'est la descente, c'est l'autre côté. Allez! Allez, encore un débrouilleuse. Alors, terre. Alors, YMC, non. Y, c'est celui-là. C, il est là.
Bon, on s'en sort bien. Facile. J'ai pas pris les évolutions en plus pour ça. Bon, on va descendre. Il y a la porte à déverrouiller. On va aller chercher Mylon. Parce que j'ai des balles cryo, donc des balles gelées, et des balles explosives. Je préfère le feu. Terminal. Oh, encore. Alors, orange, orange, plein blanc. C'était au-dessus, d'accord. Elle est là. Eh oh, je peux pas bouger. Ah putain, j'arrive pas à bouger. Voilà. Trois tentatives restantes. Tenez bien les gars. Intéressant. Mission arme lourde. Pourquoi on vient toujours désarmé? Ah, le v'là, Mylon. Mylon, vivant, indemne. Pas de ligature. Aucun signe de sévices physiques. Je ne comprends pas. Malgré tout votre intellect, professeur, vous avez toujours eu du mal à remettre en question vos préjugés. Combien de temps vous faudra-t-il pour admettre que je suis là de mon plein gré? Ouais, Werlock le contrôle. Les Werlock l'ont peut-être drogué ou reprogrammé. Peu probable. Pupille normale, langage corporel en adéquation avec l'état métabolique standard. Voyons, professeur, vous avez écrit une thèse à ce sujet. Toute modification externe du comportement induit une dégradation mentale. Sous l'effet de la drogue ou de l'endoctrinement des moissonneurs, les sujets de test perdent toujours leur fonction cognitive évoluée. Il n'a pas été reprogrammé, Mylon ne peut travailler qu'en pleine possession de ses facultés. Le facteur coercitif doit être autre. il vous a trahi? Les berserkers n'ont pas kidnappé Mylon. C'est lui qui les a contactés. Il cherche volontairement un remède. Des données factuelles. J'ai cru qu'il était retenu par les berserkers. Il n'avait jamais remis en cause la nécessité du génophage. Comment vouliez-vous que je contredise l'éminent docteur Solus? J'étais votre élève. Je vous respectais. Ces expériences sur des cobayes vivants, des prisonniers torturés, exécutés. C'est vous, tout ça? Nous avons déjà des millions de morts sur la conscience, docteur. S'il en faut encore quelques-unes pour réparer nos erreurs. Alors soit. Que fait-on, Mordine? Visiblement, on n'a pas besoin de secourir Mylon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est temps d'en finir. Vous refusez de voir la vérité en face, d'admettre que votre génie vous a fait commettre une atrocité. Ouf. Expérience inadmissible. Objectif inacceptable. Ce qui est fait, est fait. Tant pis. Je dois vous tuer. Non. Oh, si. Attendez, inutile d'en arriver là, Mordine. Vous n'êtes pas un assassin. Ouais. Ouais, un peu de gentillesse quand même. Non. Je ne suis pas un assassin. Merci, Shepard. Moi, oui. Bah. Ça aurait été rigolo, ça. C'est fini, Mylon. Partez. Les Werlocks sont anéantis. Le projet est terminé. Il peut divulguer l'histoire et il continuera ses recherches. Il peut faire les deux, ouais. Il continuera ses recherches. Vous ne craignez pas qu'il reprenne les recherches? Non. Les unités spéciales du GSI lui refuseront l'accès aux données. Vous pourriez reprendre à zéro, mais ça représente des décennies de travail. Et j'ai gardé certains détails pour moi. Et petite figure d'histoire. S'il contacte d'autres Krogan, qu'il révèle à tous le projet de modification du génophage. Les unités spéciales feront le ménage. Il n'y aura pas de preuves. Aux yeux des Krogan, Werlock a trahi les siens en s'alliant avec un étranger. Il ne fera pas de vieux os. Ok, hors de ma vue. Vous avez entendu le professeur. Allez-vous-en avant qu'il change d'avis. Où dois-je aller, professeur? Comme vous voulez. Pourquoi pas Omega? Une clinique, c'est toujours utile. Les Krogan ne méritaient pas ce que nous leur avons fait, professeur. Il faut mettre un terme au génophage. Pas de cette façon. Pardon, commandant. J'avais mal interprété les paramètres de la mission. Pas de kidnapping, compris. Ça va? Ne vous en faites pas pour moi, Mordine. Comment vous sentez-vous? J'aurais dû le tuer. Je voulais le faire. C'était plus simple que de l'écouter. Et pour lui aussi, quand on voit ses expériences, un chercheur Krogan passe encore, mais de sa part. Souvenez-vous-en. Ça remet en question votre point de vue sur l'éthique du génophage. Oui, énormément de variables. Impossible de prévoir les réponses au stress. J'en tiendrai compte. Les recherches de Mylon, inabouties. Il serait plus sage de les détruire. Mais elles restent précieuses. On les garde, on les détruit. Allez, des recherches contre nature. Ces recherches ont causé la mort de cobayes intelligents. En l'état, ils sont morts sans raison. Les reprendre, c'est donner un sens à leur mort. Le travail de Mylon pourrait vaincre le génophage. Ça aurait un impact sur les Krogan, sur la galaxie. Trop de variables, trop de variables.
On aide les Krogan, on conserve les données, le génophage reste justifié, oui, on aide les Krogan, allez. Vous regrettez le sort des Krogan. Sans cautionner les horreurs qui ont eu lieu ici, vous mesurez les pertes qu'ils ont subies. Ouais. Tout ce potentiel gâché. Ils ne méritent pas ce sort, Mordine. Préservez les données. Bonne remarque, Shepard. Ouais. Bon. Capture des données, effacement de la mémoire locale. Il reste des années de recherche, mais c'est mieux que de repartir à zéro. Voilà. On peut y aller. Quittons Tuchanka, peu importe la destination. Un endroit au soleil, de préférence. On reste encore. Je vais rester encore un peu ici. Juste fouiller un peu. Voilà, pirater par exemple. Alors. Il est où? Il est là. Et blanc. Là. Voilà, très facile. On a gagné quoi? 2 de pragmatisme. 28 de conciliation. Oh le mec! Conciliant quoi. Ah ouais, bah. Je savais que je. Alors, ça aurait peut-être été plus sympa de le tuer. Mais bon. Ok, bon bah Mordine. Pourquoi Mordine? Pourquoi t'es monté là? Mordine? Me dis pas que je suis bloqué là du coup à cause de toi. Bon, au pire, je le. Voilà. Ok, bon, bah. Finir la mission, partir. Alors, troublé par les progrès du clan Werlock de la recherche d'un remède contre le xénophage, et ce sans les données de Cerberus, les données du remède pourraient s'avérer utiles. Les Krogan sont dangereux, mais pourraient constituer d'excellentes troupes d'élite contre les moissonneurs. Bah, c'est clair. Précieux, l'assistant de Mordine ne constitue plus un problème. Mordine n'aura aucun mal à se concentrer sur la mission. Pourquoi je veux le reconcentrer? Combien XP 750 alors, ok, Mordine, nouvelle tenue, c'est cool. Vitalité Krogan, ouais. Plus 25,61, ok. Munitions d'armes lourdes, c'est pas mal. Et les crédits, ça doit être la fin. Ah non, l'iridium. 2K, ouais, super. Vous sentez seul dans la cabine? Dans votre cabine? Acheter un animal de compagnie? T'es sérieux? On peut acheter un animal? Ça va être un poisson, un truc pourri, non? C'est chiant, ça! Ah, c'est parce que je suis en plein écran fenêtré, je pense que ça joue vachement. Bon, parlez à... Tuchanka. Rude, dangereuse et certainement radioactive. On y va, on fait le nécessaire et on part sans demander notre reste. Qu'est-ce que je t'avais dit, ma chérie? Ce n'est pas merveilleux? Nous voilà débarrassés du bruit de la vie moderne. D'accord, c'est tout. Si tu... Moi, tu es le dévoreur. Pied? Pied? Bon, navette Normandie, officier de liaison. Encore vous? Je vous répète que les berserkers ne veulent que des Krogan. Allez exhiber votre peau luisante ailleurs. Ouais, on s'en fout. Capitaine. Allez voir le chef du clan. Et on a Grunt. Je sais. Il est pas avec moi, Urnaut. Grunt. Le clan Urnaut a gagné en force après la destruction du clan Werlock. Il semble que le clan Urnaut ait dépouillé la base Werlock de ses dernières ressources. Bien sûr, la sélection naturelle. Les forts dominent les faibles. Rien de surprenant. En outre, oui. L'élimination du dévoreur a suscité plusieurs requêtes d'accouplement pour Grunt et une autre pour Shepard. Hein? Une requête d'accouplement? Félicitations, Shepard. Participer au rite de passage, survivre et trouver le temps de faire boire de la poussière à Uvenk, ben vous avez le respect du clan Urnaut, surtout pour ce dernier acte. Affronter un dévoreur à pied et le tuer, cela faisait bien longtemps. Depuis Vrax, je crois. Il a toujours aimé se faire remarquer. Dites à Grunt qu'il fait désormais partie du clan Urnaut et qu'il est le bienvenu. Tuchanka. Vous vivez tous sous terre. C'est tellement inhospitalier à la surface. 76 degrés, on a dit. Tuchanka et les Krogan vivent ensemble dans la guerre. La planète nous déteste et nous la détestons en retour. Voyez par vous-même. Bravez les déserts arides, ravagés par les guerres,
et découvrez ce monde qui a rendu les Krogan assez puissants pour menacer toute la galaxie. Bon bah écoute, bah merci de ton temps. Merci pour ces informations. On y va. Au revoir, Shepard. Prenez garde à vous. Ok. Eh ben merci, je pense que on a quasiment fait le tour. S'il y avait l'éclairage, il fallait... Oh, mais on... allez, les gaz! L'éclaireur est revenu. On l'a installé sous la tente. Il se rappelle pas grand-chose à part la torture. Mais il a parlé de vous. Il a dit que vous lui aviez gueulé dessus jusqu'à ce qu'il ramène sa bosse ici. Vous avez un sacré carré de burne, humain. Merci d'avoir sauvé mon éclaireur. Ça m'évite d'avoir en formé un autre. Bon, bah merci. À plus tard. Alors, désolé, je veux... Oui, attends, bon, en même temps, je veux... Attends. Voilà. Ouais, je me sers d'un petit truc à boire. Bon, allez, on va pouvoir y aller. Allez, gaz. Oh, et puis il y en a tout là. Donc, on va retourner au vaisseau. Évidemment, bah, comme d'hab, il nous reste 3 minutes, donc on va parler à tout le monde. J'aime bien parler à tout le monde. Capitaine, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On retourne au Normandie. Oh, c'est vraiment inhospitalier comme ville, comme planète. Ah, une bonne arme lourde peut vous sortir de tous les mauvais pas. Tu clair? Ah oui, c'est vrai. Je m'y ferai jamais. Alors, allons. Non, on va commencer par le Joker, allez. Commencer par le... plus loin, j'allais dire, mais non, pas du tout. La vache, il y a plein de trucs. Ah, la vache. Il court quand il veut, c'est pas, non? Tout va bien? J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. Ok, bon. À bientôt, tu m'en dis pas plus, toi. Alors, ça sert à rien d'aller voir... Ah, faut aller à l'infirmerie. Alors, on va aller voir Mordine. Parce que lui, c'est important. Ça, c'est important. Il a quelque chose pour nous, quoi. Je n'en reviens toujours pas que Mylon m'ait trahi. Qu'il ait trahi mon travail. Ses actes me révulsent. Mais son culot en impose. J'ai toujours cru qu'il manquait de caractère. J'espère qu'il fera des découvertes, qu'il améliorera son objectif et réduira les tortures. Vous êtes affreusement calme. Ce qui est arrivé, ça ne vous touche pas plus que ça. Bien sûr que non. Ce qui est fait est fait. La vie continue. Retour à la mission, au travail. Sinon, on finit comme Mylon. Les Galariens traitent leurs émotions plus vite que les autres espèces. C'est nécessaire. Vu notre espérance de vie, les réminiscences sont un luxe. Ok, et les recherches? Et les données de Mylon sur les génophages. Ses tentatives de trouver un remède. Oui, eh bien. Je les ai mises dans ce coin-là, je ne vais pas m'en occuper maintenant. Les récolteurs avant tout. Bien. Quoi qu'il en soit, c'est sans importance. Je vous remercie de m'avoir aidé sur Tuchanka. Il faut reprendre le travail. Nous avons déjà perdu trop de temps. On se reparle plus tard. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Non. Une autre fois. Ah d'accord. Test d'armes biologiques imminents. Pas sur nous, évidemment. Précision superflue, mais Joker s'en est inquiété. Autre chose? Non. Je vous laisse. Si alors, vous avez besoin de moi, je suis là. Faut qu'on aille voir notre ami Krogan. Ben non, non, c'est derrière. Merde, je suis la porte. Notre ami Krogan. Et puis Miranda. Donc l'étage inférieur. Quartier. Donc là, il n'y a personne d'aller voir. Si. Vrex. Vrex. Parler de Vrex. Babord. J'ai pris le mauvais. Non, j'ai pris le mauvais. Grunt, voilà. Leonard Grunt, ça me plaît. J'ai un clan. Ça me donne soif de me battre, de montrer ce que je sais faire. Et Uvenk, j'avais envie de l'éventrer, de lui arracher la colonne vertébrale en guise d'un trophée.
Gardez ça pour les récupérer. Vous pouvez reporter ça sur notre véritable ennemi, ou bien je dois vous mettre aux arrêts. Maintenant, je comprends. Ça fait partie de mon identité. Ma croissance en cuve l'avait retardée, c'est tout. Maintenant, je sais ce qui m'arrive. Que j'ai une place parmi les Krogan. Je me sens bien. Nos ennemis ont du souci à se faire, Shepard. Et j'espère qu'on ne va pas être à court de cible. Aucun risque. Ça risque pas. Pour un peu, il ferait la queue. On ne va pas les décevoir. Ça non, alors. Ok, conciliation. C'est un copain, maintenant. Alors, bah, l'autre côté. Jack, on va pas aller la voir parce qu'on n'a pas fait la mission pour elle. Ah mais non, merde, elle est pas là. J'allais là, mais non. Elle est dans le quartier d'équipage, voilà. Et c'est tout le monde dans le quartier d'équipage. Alors, allons voir... Samara. Vous tombez bien. Ah. Pas toujours. Je vais me rattraper. J'ai besoin de votre aide. C'est difficile à admettre. Je ferai ce que je peux. Qu'est-ce qu'il vous faut ? À notre rencontre sur Ilium, je vous ai parlé d'une criminelle que je traquais. Grâce aux informations que vous avez obtenues, j'ai réussi à la localiser. Ben, let's do it. Elle se fait appeler Morint. Je souhaiterais l'appréhender avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Sa position ? Où est-elle ? Sur Omega. Dans un nightclub appelé... Que je connais bien. L'endroit idéal pour en faire son terrain de chasse. Ok. Qui c'est qui ? Dans les modèles. C'est une Arda Tiakshi. C'est un terme issu d'un dialecte Asari aujourd'hui disparu. Il signifie « démon des vents nocturnes ». Mais tout cela n'est que mythologie. Plus simplement, c'est une femme dangereuse qui tue sans aucune pitié. Les Arda Tiakshi sont donc un genre d'assassin. Morint souffre d'un désordre génétique d'une extrême rareté. Lorsqu'elle s'accouple, l'union est dépourvue de la moindre tendresse. Elle consume le système nerveux de son partenaire. Celui-ci est littéralement vidé de son esprit avant de mourir. Dangereuse, n'est-ce pas ? Elle n'est mortelle que pour ses amants, en somme. À chaque meurtre, elle gagne en force, en ruse et en vitesse. Et voilà déjà 400 ans qu'elle s'y adonne. Elle sème la confusion parmi ses victimes et altère leur perception. Ses proies ne reculent devant rien pour gagner ses faveurs. Eh ben, on va l'arrêter. Nous devons l'arrêter. Merci, commandant. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Un dernier détail. Cette créature, ce monstre, c'est ma fille. Je comprends. Ça doit être pénible d'en parler. Je suis seule coupable de ce qu'elle est. La tuer sera ma rédemption. Oh, putain. Inutile de vous apitoyer sur moi. Comprenez ma situation, c'est tout ce que je demande. Dites-moi plus. Comment c'est arrivé ? J'ai consacré ma jeunesse à écumer la galaxie, à tuer, à m'accoupler ou à danser jusqu'à ce que la nuit s'estompe. J'ai tellement appris et vécu tant d'expériences. C'est alors que j'ai accédé à l'âge de Matrice. Enfin, j'ai pu vivre en paix et profiter des miens. Mais en un instant, tout m'a été arraché. Ça a dû être éprouvant. C'est atroce. Je me tenais dans un labo médical quand un médecin à moitié aveugle s'est approché. Et j'ai appris que rien n'était semblable à ce que j'avais imaginé. J'ai renoncé à tout ce qui m'appartenait. Je ne possède rien, ne revendique rien. Mes connaissances disparaîtront avec moi. À présent, je n'ai qu'un seul but. Détruire ma propre progéniture. Je comprends. Ces instants vous changent à jamais. Et il me reste plusieurs siècles à vivre avec ce fardeau. Mais je parle trop. Pardonnez-moi. Aidez-moi à retrouver ma fille disparue. Et tuons-la. On l'arrêtera. Allons retrouver Morint. Morint, c'est Morint. Alors, on ira sur Omega, ça marche. On va aller ici. Il y a l'ami Tan, voilà. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter ? Si vous voulez. À notre dernière discussion, vous avez commencé à décrire un événement passé comme si vous y assistiez. Les Drell ont une mémoire parfaite. Nous pouvons revivre tout moment de notre vie dans le moindre détail. C'est pratique. C'est parfois difficile à contrôler. Certains d'entre nous s'emmurent dans... le solipsisme, pour faire simple.
souvenir des meurtres. Vous pouvez revivre n'importe lequel de vos assassinats. Avec une parfaite exactitude, la moindre de mes erreurs. Le dernier souffle de chaque cible. Ça vous dérange pas, ouais. Vous n'avez pas l'air de culpabiliser. À quoi bon ? Leur tueur était mes commanditaires. Mon corps n'était qu'un outil. Si vous tuez un homme avec un fusil, allez-vous tenir le fusil responsable ? Libre arbitre ? Mon arme ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Vous aussi. Mon âme, oui, mais mon corps n'est que chair. Une chair formée à tuer. Par réflexe. Les Drell raisonnent différemment des humains. Notre corps, pensons-nous, est un réceptacle qui n'est pas toujours soumis à notre volonté. C'est bizarre. Étrange façon de se percevoir. Les humains croient souvent en une âme distincte du corps. Un esprit responsable des décisions morales qui survit au corps. Notre croyance à nous n'est qu'un peu plus littérale. Ce dernier souvenir. À notre dernière discussion, vous vous êtes rappelé l'un de vos assassinats. Vous avez parlé Dieu, couleur du couchant. Ah, cette fois-là. La visée laser tremblote sur son crâne. Odeur d'épices portées par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui vont. Une passante a remarqué ma visée laser et s'est interposée entre la cible et moi. Sans me voir, elle m'a fait baisser les yeux. C'était exceptionnel. C'est étrange que vous ayez sorti ça de nulle part. Une autre réminiscence éveillée ? Pas. Non, c'était une personne bien vivante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez quand même rempli le contrat. Pas ce jour-là. Ah. Ouais, bah on l'a déjà dit. C'est étrange que vous ayez sorti ça de nulle part. Une autre réminiscence. On l'a déjà dit. Allez, je dois y aller. C'était une personne bien vivante. Bon, j'ai du travail qui m'appelle. Shepard, je suis heureux de converser avec vous. Votre espèce est intéressante. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler à un Drell. Et j'en suis très heureux moi aussi. Peu d'humains en ont eu l'occasion. Après tout, nous ne sommes plus que quelques centaines de milliers. Je ne vous retiens pas. Bah merci. Bon, c'est cool. Personne. Il nous manque encore quelqu'un dans l'équipage. Hein. Miranda. Hop. Miranda. Et on a aidé tout le monde. Autrement, les autres, on est en train de les aider. Commandant, que puis-je faire pour vous ? Vous auriez une minute ? Oui, bien sûr. J'étais très occupée ces derniers temps. J'avais un petit travail à faire pour Cerberus, mais je n'ai pas oublié notre dernière discussion. Ça me fait un peu peur, mais je n'ai pas oublié. À supposer que vous soyez toujours intéressé. Et oui, on avait dit que la prochaine fois qu'on y allait, c'était pas pour rien. Yeah. Bien sûr que je suis intéressé. Ravi de l'entendre. Je passerai vous voir au prochain moment. Ah mais non ! Tu fous de ma gueule, ça fait deux fois que tu me dis ça. Ah... Bon, on va les draguer ailleurs. Batterie principale. Ah, d'accord. C'est la porte. Garus. Vous pensez qu'on peut se rendre à la citadelle, Shepard ? J'aimerais m'occuper de Sidonis. Ouais, bon. Je vous tiens au courant, Garus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ouais. Tali, elle est où ? Je sais plus. Est-ce que j'ai peut-être quelque chose pour toi, non ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant ? Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Si vous trouvez les aliments de la liste que je vous ai donnée, ce sera génial. Sinon, bah, tant pis. Ok. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Ouais, ouais. Hello. Docteur Chocobos. J'ai du schnapps. Que puis-je faire pour vous, commandant ? J'ai un cadeau pour vous, docteur. Non, ce n'est pas vrai. De l'eau de vie de Céris ? Merci. J'ai toujours regretté de ne pas avoir ouvert la bouteille précédente tant que je le pouvais. Je ne compte pas refaire la même erreur. Et si nous l'ouvrions ici et maintenant, vous et moi ? Eh ben c'est parti ! Ouvrez la bouteille, je vais chercher les verres. Avec plaisir. Je me dis que la démonstration biotique d'Alenko a peut-être brisé la nuque de Jenkins, mais tout à coup, il se relève en beuglant. C'était trop génial ! Ah, Jenkins. Ce sont les soldats comme lui qui font la force de l'Alliance.
Il n'y a pas le même enthousiasme chez Cerberus. Trinquons l'Alliance. À la santé des hommes et des femmes de l'Alliance. Et que la fortune leur sourit. Hop. Ah, j'ai mis sa cuite. Désolé, j'ai mis ça, j'ai... L'accès au noyau IA nécessite une autorisation. J'ai mis sa cuite. Ouais, donc j'avais juste reçu un message, c'est pour ça que j'ai bloqué un moment, j'ai lu. Ok. Tali, elle est où? Donc, non. Merde! Ah bah, elle est là, Tali, mais oui. Ça a des machines. Ah bah, elle est là, voilà. Shepard, vous tombez bien, j'aurais besoin de votre aide. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amirauté m'accuse de trahison. J'ai peur, Shepard. On fait quoi alors? Que se passe-t-il quand un carien est accusé de trahison? L'accusé est entendu en audience, et les membres de la commission de l'amirauté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment. La sentence pour trahison est l'exil. Si je suis condamné, je ne pourrai jamais revenir. Eh ben, je cède. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci, Shepard. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amiraux doivent nous attendre. Ok. Ok, eh bien on va revenir à la passerelle, on va parler à Kelly. L'homme trouble, que puis-je faire pour vous, commandant? Comment va l'équipage? Discute un peu. Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous toujours, commandant. Ouais. Je ferais mieux d'y aller. Très bien, on se parlera peut-être plus tard. Et l'équipage? Que puis-je faire pour vous, merde, commandant? Portez-vous bien. Voilà. Que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir. Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Non, hein. Ce sera tout. Portez-vous bien. Merci. Alors, on a un message. Bon, on va lire le message. Message non lu. Ah, le chaman Urnot. Bon sang, j'ai de les tests pas baissés à ça, mais là, j'ai pas le choix. Vous êtes l'un des craintes de Grunt. Mais vous êtes aussi son chef, alors faites en sorte qu'il reste en vie. Je me force à rester poli et à jouer le jeu. Mais n'oubliez pas que notre peuple est en voie d'extinction. Les Krogan ont toujours fait primer leur survie aux traditions. Et si nous voulons survivre en tant que peuple, nous avons besoin de votre grunt cinétique. Okir n'était qu'un fou, mais au moins il avait un plan, et c'est déjà bien plus que la plupart de ceux qui vivent sur cette misérable planète. En gros, ramenez le vivant de votre fichue mission, le peuple a besoin de lui. Et si vous faites tuer, croyez bien que j'hésiterai pas à cracher sur vos tombes. Mais c'est mignon. C'était tellement mignon. On a fait tout. On va prochain épisode. Je sais même pas c'est quand d'ailleurs. C'est la semaine prochaine. C'est carrément la semaine prochaine. Voilà. On ira voir sûrement sur Ilium. Voilà. Bref, allez, ciao tout le monde. Pousse.